Coucou les filles, j'espère que ça va. Moi ça va bien les filles, alhamdoulilah. J'avais besoin de prendre quelques jours les filles parce que j'étais vraiment pas bien les filles. En fait, j'ai vécu une humiliation les filles. J'étais trop mal. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, je l'ai vraiment mal vécu. J'étais vraiment pas bien les filles, vraiment. Et là en fait aujourd'hui, je vais mieux, je vais bien, alhamdoulilah. Et je me dis, voilà, le bon Dieu, les filles, m'ouvrent les yeux. C'est juste qu'en fait, je peux plus faire confiance à personne, les filles. Les gens, ils sont trop manipulateurs. Ils mentent, ils n'ont pas peur de Dieu et je trouve ça trop grave. Je trouve ça trop grave, les filles, de jurer Allah et de mentir et de continuer à mentir. J'arrive pas à comprendre les gens qui vous font croire qu'ils sont dans la religion. C'est pour ça que dans la religion, il y a beaucoup d'hypocrites, les filles, et qui vous font croire qu'ils ont la foi. Qu'ils ont peur de Dieu alors qu'au final non, parce que quand t'as peur de Dieu, tu peux pas mentir comme ça. Vous comprenez les filles? Moi, j'ai déjà menti les filles, je vous dis la vérité, j'ai déjà astrefelin menti en jurant. Mais depuis que j'ai fait mon repentir, et ben les filles, je n'ai plus menti une seule fois quand j'ai juré au nom d'Allah et je mentirai plus jamais parce que j'ai vraiment peur de Dieu les filles. Il y a des gens, ben ils vous font croire qu'ils ont peur, que voilà, alors qu'au final, non. Alors qu'au final, les filles, ils mentent. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Après, ça reste entre eux et Dieu. Mais ça m'a fait beaucoup de mal. En fait, ce qui m'a le plus touchée, les filles, c'est que je me suis sentie humiliée. J'avais honte et j'ai pas envie de raconter l'histoire parce que c'est difficile pour moi les filles, je me sens toujours humiliée. Et puis voilà, je place ma confiance en Dieu. Vous savez ce que j'ai fait pendant 2 jours? J'ai fait que prier les filles. J'ai fait que prier. Je m'en suis remise à Dieu. Vous savez ce que je me dis aujourd'hui? Je me dis qu'en fait, ma place. Ben je sais ce qu'elle vaut et quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un me trahit, parce que, en fait j'ai vécu plusieurs trahisons hein. Dans cette histoire il y a eu plusieurs trahisons les filles et ben je me dis je sais ce que je vaux et du coup ben j'enlève les gens de ma vie et sans scrupule les filles, sans marche arrière. Moi je peux plus supporter les trahisons, je peux plus supporter le mensonge. Surtout quand moi je suis. Ça va? Ouais, ça va. Quand moi je suis droite et vous me connaissez les filles, vous savez, en amitié, j'ai jamais trahi mes amis, je suis quelqu'un de très loyal et c'est très compliqué de vivre une trahison. Et avant, vous savez, les trahisons, les filles, ça mettait en dépression parce qu'en fait, moi j'attends trop des personnes. Moi, je me dis que tout le monde pense comme moi, alors que les gens, ils pensent pas comme moi. Les gens, ils sont différents de moi et les gens, malheureusement, ils sont mauvais. Ils ont un mauvais fond. Et avant les filles, je mettais du temps à accepter une trahison, tandis que maintenant, pas du tout. En fait, maintenant, je me dis, alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est Allah qui me dégage les mauvaises personnes de ma vie et c'est pour ça que j'arrive à faire un tri dans ma vie et à dégager les gens de ma vie sans scrupule les filles. Je suis devenue très 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 dure et alors déjà que mon cercle les filles il est fermé, vous le savez, je laisse rentrer personne dans ma vie, mais là vous pouvez pas imaginer à quel point il est encore plus fermé et je me sens mieux comme ça. Je sais que je suis bien entourée et je sais que quand tu places ta confiance en Dieu les filles, Allah il t'ouvre toujours les yeux, toujours, il te montre tout, il te met tout devant les yeux. Et avant, quand j'avais pas cette foi,
C'est comme si j'avais un voile. Des fois, même les filles, les gens, ils me trahissaient et tout. Et je le voyais même pas. Je vous jure, mes yeux, ils étaient fermés. Aujourd'hui, les filles, je vois tout. Je vois tout, ils me montrent tout. Et je suis devenue beaucoup plus dure qu'avant. Mais je pense que c'est important d'être comme ça. Et maintenant, quand je suis déçue, quand je suis trahie, les filles, en fait, je le vis bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais je le vis bien parce que je me dis, c'est un mal pour un bien. Et en fait, c'est que ces personnes-là, ils ne méritent pas de faire partie de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, de faire partie de ma vie, on le mérite. J'ai toujours eu un bon cœur, mais là, j'ai un bon cœur et un bon comportement. Vous voyez? Donc voilà. Là, je vais mieux. Et là, aujourd'hui, les filles, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc, je suis venue faire mes injections de vitamines avec Lily. Regardez. Je me suis levée tôt, les filles. Je prends un bon rythme. Et je suis venue faire mes injections de vitamines. Les filles, c'est Lily qui m'a recommandé. Parce qu'elle en a fait. Et apparemment, quand tu fais ça, tu te sens trop, trop bien. Comme si tu avais passé une semaine de vacances à dormir. T'es en forme et tout. Et je pense que j'en avais besoin, les filles. Et puis là aujourd'hui j'ai envie de prendre soin de moi. Les filles, vous savez, moi vous me connaissez, je suis quelqu'un de très coquette et tout. Et là après vous me dites toutes que je suis trop belle comme ça, mais là d'avoir les cheveux attachés tout le temps, de pas me maquiller, de pas m'épiler et tout, ben je me sens beaucoup moins belle qu'avant. Mais après je me dis c'est pour le bon Dieu, c'est Ramadan. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi, mais intérieurement, les filles. Oh, c'est encore éteint. Non. Sleep. Et heureusement que j'ai des amis comme Lily. Oh. Heureusement que j'ai une amie comme Lily. Elle a été là. Elle a été là. Ouh là là, c'est trop fort. Oh, il se passe quoi là? Manuel? Non, c'est le truc. Putain, en plus au moment t'es en train de me faire des compliments. Ouais. Et je vous dis, j'ai la chance d'avoir Lily dans ma vie. Vraiment, elle a été là. Vous savez, je voulais voir personne. Mon entourage s'inquiétait et tout. Je voulais répondre à personne et tout. J'avais mal à la tête. Et cette histoire, je me sens tellement humiliée que je vais la raconter à personne. Mon entourage, mon lit, elle le prend. Sinon, même mes autres amis et tout, j'ai même pas envie de leur dire parce que j'ai honte. J'ai vraiment été humiliée, les filles. Mais c'est pas grave, je laisse tout entre les mains de Dieu. Et là, ce matin, je me suis levée, les filles, à l'heure de la prière à 5h30. Je n'ai pas réussi à me rendormir. J'ai levé Lily, je lui ai dit, allez, on va prendre soin de nous aujourd'hui. On va aller faire nos injections de vitamine. On va aller faire nos pieds, on va prendre soin de nous, ça va nous faire du bien. Et voilà, je retrouve le sourire, les filles. Et je vous jure, ça a été dur, ça a été compliqué. Mais là, je sais pas, je me sens trop bien, les filles, je me sens trop mieux. Et je suis contente d'avoir ouvert les yeux sur les personnes qui m'ont fait du mal. Et c'est eux qui ont tout perdu, c'est pas moi, j'ai rien perdu. Hein. Et sinon, mais bon, vous m'avez trop manqué. Je vous jure, quand je quitte les réseaux comme ça, et ben vous manquez trop. Vous faites trop partie de ma vie, les filles. Genre, ça me fait du bien de me confier à vous. Ça me fait du bien de lire vos messages. J'ai lu tous vos messages, les filles. Ça m'a fait trop du bien. Je vous jure, j'ai de la chance de vous avoir. J'ai trop de chance. Merci d'être là pour moi. Et je vous jure, les filles, je prie pour vous. Vous avez vu quand je vais à Talaouir et tout, oh là, je vous fais des doigts tellement, tellement que je vous aime et tellement que vous m'apportez dans ma vie. Et ça me fait trop du bien que vous êtes là, vraiment.
Les filles ont fait la course avec Lily. Qui va gagner? Qui aura fini en premier? Les filles, c'est de la bombe. Je pète la forme. C'est trop trop bien. Mais par contre, si vous le mettez trop fort, genre ça vous fait des... Oh le cœur, genre... Mes bombes, je vous explique. Ce que Lily, elle m'a fait faire, c'est une dinguerie, les filles. Je pète la forme. Je suis debout depuis 5h30 du matin. Vous connaissez, moi, j'aime trop dormir. Écoutez-moi, là, vous me dites, va faire le marathon, je le fais. Mais vraiment, les filles, c'est une dinguerie. En fait, c'est pas des injections de vitamines. Ça s'appelle NIG. Ça n'existe pas en France, ça existe à Dubaï et aux États-Unis. En fait, tu as le droit d'en faire que 5 fois dans l'année. Et en fait, ça, il y a de la vitamine dedans, mais en fait, ça te rebooste ton énergie à l'intérieur. Mais genre, c'est puissant. Et en fait, ça va jusqu'à ton cerveau, les filles. Et c'est légal, évidemment. Ouais, c'est légal. C'est clinique, oui, c'est un docteur. Oui. Et en gros, tu réfléchis mieux. Genre, si t'es pas bien, eh ben, tu vas mieux. Et en plus, là, vraiment, les filles. Ça régénère les cellules de ton cerveau. Je vais beaucoup mieux et en fait tu réfléchis mieux, tu enregistres mieux et même le c'est moral, trop bien. Ouais, là j'ai le moral, c'est ça, là j'ai le moral. Non mais je suis reboostée les filles. Là vous me dites Maëva va courir, fais le marathon, jusqu'à Abu Dhabi je cours.